Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après les vacances, l'école béninoise ouvre ses portes aux apprenants pour la reprise des classes et pour donner le top. Deux ministres, Salimane Karimou de l'enseignement maternel et primaire et Yves Chabi de l'enseignement secondaire ont procédé ce lundi matin au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022 et 2023 au complexe scolaire Sonou, c'est dans la commune d'Aboumé. Reportage. Le top est ainsi donné pour la nouvelle rentrée scolaire 2022-2023. Attention pour la montée des couleurs. Envoyez. Les activités pédagogiques au niveau de l'école primaire publique Sonou, école retenue pour le lancement officiel de la rentrée, ont démarré sous le regard du ministre des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous sommes venus pour partager avec vous le bonheur de la nouvelle année scolaire et à travers vous, partager avec tous les élèves béninois ce bonheur. Nous sommes venus vous souhaiter une bonne et heureuse année scolaire. Plein succès à tout le monde. Le ministre Yves Kouaro-Chabi a exhorté les apprenants au travail, gage d'une réussite en fin d'année. Je souhaite au gouvernement que vous puissiez réussir tous 100% de succès, c'est possible. Et pour cela, il faut travailler. Vous voulez venir en sixième? Oui, monsieur le ministre. Voilà, moi je suis prêt à vous accueillir. Bonne année scolaire. Et puis, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 19 septembre 2022. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou n'a pas empêché les parents d'élèves à conduire leurs enfants dans les différents établissements où les cours ont effectivement repris. En tout cas, c'est le constat qu'a fait une équipe de notre rédaction. Voici le fruit de leur sortie. Après deux lunes tout entières, les portes de l'école béninoise s'ouvrent à nouveau pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023. Dans ce complexe scolaire privé, pas de perte de temps. Ici, en classe de terminale, les élèves reçoivent déjà leur premier cours au programme. L'activité numéro 1, donc vous écrivez l'activité 1. C'est vrai qu'on a été pendant un long moment en vacances, donc on s'est amusé, on a pu se reposer. Donc je suis contente de reprendre la rentrée pour pouvoir achever mon lycée et l'année scolaire. Les cours au programme, ceux des classes intermédiaires en reçoivent également, comme dans cette salle de première où la première situation d'apprentissage est lancée. On était au cours depuis 7 heures. Moi par exemple, j'ai travaillé de 7 heures à 9 heures en quatrième. Et de 10h à 12h, je suis en première. On est en première et tout se passe normalement. Tout a bien débuté dans les collèges privés sillonnés, malgré Dame Nature qui s'est invitée pour la circonstance. On a la pluie, mais la pluie c'est la grâce, c'est l'eau, c'est la vie. Donc ça prouve qu'une nouvelle vie est en train de prendre corps et les enfants prennent dans ça, sont dans ça et ça fait plaisir. On a l'habitude de commencer le premier jour avec les cours. Et j'ai toujours dit à mes élèves de ne pas croire qu'il y aura un jour ou deux jours de répit avant qu'on ne démarre. Non, on a fait la pré-rentrée avant, donc ils pouvaient venir chercher les fournitures, les uniformes et tout. Donc quand on démarre en tombe tout de suite pour qu'on ne perde pas une minute de notre année scolaire. Les collègues ont bravé donc la pluie pour être au cours, puisque les emplois du temps ont été déjà affichés pendant la pré-rentrée dans toutes les classes. Donc les apprenants connaissaient déjà leur emploi du temps. Et quand ce matin, ils sont arrivés, ils se sont installés donc dans les classes et les collègues qui ont bravé la pluie pour être là, ils les ont pris en charge et les cours ont démarré effectivement. Du côté des établissements publics, la rentrée est également effective. Les professeurs entrent déjà en contact avec leurs apprenants, même si dans certaines salles, on observe du vide et certains élèves
qui attendent encore leurs enseignants. Dans les classes, nous avons des élèves qui sont en salle avec leurs professeurs. Ceux qui sont au cours, certainement, ce sont des élèves qui sont en attente d'être inscrits. Et vous allez voir déjà au niveau du bureau de la directrice une longue file, même au niveau du bureau de l'AHG. Donc ce sont ceux-là qui sont en attente des formalités pour pouvoir obtenir leur salle de classe. Sinon, les anciens élèves connaissent déjà leur salle de classe, leur emploi du temps et sont dans les classes. Du côté des apprenants, les sentiments sont mitigés, mais une chose est claire, tous sont contents de reprendre les classes. Ce n'est pas facile, on n'a pas pu venir à l'heure, mais bon, on est content parce qu'on a pu retrouver nos camarades. On est content, on fait les cours tous ensemble. C'est pas facile, tout est nouveau, mais on essaie de s'adapter. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai trouvé et tous mes amis, quoi. Et ensemble, on a échangé tout ce qu'on sait, tout ce qui s'est passé dans les vacances. Le premier jour de rentrée, on a eu quelques désolations. Il y a eu la pluie le matin et on était tous mouillés avant de venir. Là, on était mouillés. Mais quand on était venu, on a trouvé les professeurs, on s'est échangé avec les professeurs, on a eu les cours de début programme. Fini donc les vacances, l'école reprend de plus belle pour ces apprenants qui subissent déjà les dictats de la nature. Conséquence d'une année scolaire que la majorité souhaite, fructueuse. Voilà, sur tout un autre registre à présent, les membres de l'Association africaine des professionnels du management des élections étaient en Assemblée générale ordinaire ce dimanche 18 septembre 2022 à Cotonou. Objectif, dresser le bilan des actions menées jusque-là, puis élire un nouveau bureau et procéder à son installation. C'est Jeannot Dopéen et Edouard Kakbou qui étaient pour nous. Voici le compte-rendu. Conseiller et appuyer les États africains pour une professionnalisation du management électoral en vue de l'organisation des élections libres, transparentes, justes et équitables, c'est l'un des objectifs phares de l'Association africaine des professionnels du management électoral, Africa Élections. En Assemblée générale ordinaire, les membres, tous des professionnels et pratiquants des questions électorales, font un bilan des 9 années de travaux. Une fois mis en place, le conseil d'administration et le bureau d'Africa Élections se sont mis à la tâche pour obtenir la reconnaissance officielle de l'association. Ce processus qui a duré plus d'un an à l'époque nous a permis d'obtenir un récépissé d'enregistrement de l'association. La première activité organisée a été un atelier de formation sur la communication publique. Ensuite, nous avons organisé le 14 juillet 2018 un atelier sur le thème « Réformer le code électoral pour le futur ». Nous pouvons nous réjouir que certaines de nos réflexions ont trouvé écho auprès du législateur qui a, par exemple, supprimé à l'occasion de la modification du code électoral dans la même année les dispositions créant les postes de représentants de la majorité et de la minorité parlementaire au sein des postes de vote en République du Bénin. Même si des points de satisfaction sont constatés, tout n'a pas été rose au sein de cette association. Dans le cadre des élections législatives de 2019, nous avons élaboré deux projets, notamment le projet tracking de fake news et celui intitulé « Agir pour les élections législatives 2019, transparentes et paisibles ». Faute de moyens financiers et de partenaires, nous n'avons pas pu mettre en œuvre ces deux projets. Après le détail des activités menées, le bilan financier est soumis aux membres de l'Association africaine des professionnels du management électoral. Après l'AG constitutive, le solde à la prestation de service qui m'a été remis était de 756 100 francs et il fallait faire certaines activités en ce qui concerne l'enregistrement de notre association. Africa Élections a organisé le 14 juillet un atelier de réflexion sur le code électoral au Bénin à la chaire UNESCO. L'organisation de cette activité a coûté à Africa Élections 949 100 francs. Au cours de la même année 2020, on a organisé les élections communales. Les contributions des uns et des autres sont à 1 937 300 francs. Et après les dépenses, il en résulte un solde de 1 256 064. À cette date où je rédigeais le rapport financier, il se dégageait un solde de 300 940. Les élections constituent le socle de la démocratie et du processus de transmission et de gestion du pouvoir. Le président de Africa Élections, Agapit Napoléon Maforikan, énonce des points de réflexion
des interrogations auxquelles l'association pourrait répondre. La problématique électorale de nos jours nous fait comprendre que l'euphorie de 2012, lorsque nous nous formions, 2013, a dû laisser place à peut-être une sorte de désillusion. Pourquoi lorsque l'université d'Abobekala, une université aussi célèbre que celle d'Abobekala, la chaire UNESCO forme des administrateurs, pourquoi l'organisation des élections est-elle confiée à des magistrats et à des membres issus de l'opposition de la majorité présidentielle? Et au niveau de l'Afrique, ces élections qui débouchent toujours sur des crises dont on attend la validation ou non, pas des organismes aussi politiques que les organisations régionales. Au cours de cette Assemblée générale élective, un nouveau bureau est attendu pour redynamiser cette union et le renforcer pour faire face aux prochains défis électoraux. Et puis au terme de leur mandat, les membres du bureau sortant se disent satisfaits des activités menées tout au long de leur mandature. Ils espèrent que la nouvelle équipe puisse leur emboîter le pas. On suit leurs interventions au micro de Jeannot Dupéon et de Edouard Kakou. Africa Elections, comme son nom l'indique, c'est les élections, c'est les affaires électorales, c'est le management des élections. Vous savez, en Afrique, les élections, c'est problématique. Le champ est tellement vaste. Les élections créent beaucoup, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges. Et il faut qu'il y ait des spécialistes pour en parler. Heureusement d'ailleurs, parce que le récent communiqué du ministère de l'Intérieur est venu un peu titiller l'association qui, depuis 6 ans, aurait dû organiser cette assemblée générale. Mais bon, pour diverses raisons, ça n'a pu avoir lieu. Donc c'est heureux et il faut saluer le ministère pour cette exhortation qui réveille les OSC, les associations. Nous sommes très satisfaits, autant que nous sommes, hein, tous les membres, on est satisfaits du bilan et du bureau sortant et qui a quand même fait un travail acceptable. Nous avons adopté les rapports et nous sommes prêts à remettre notre association sur les rails pour nous faire connaître sur l'échiquier national et international, surtout sur le plan continental. Pour les objectifs à l'interne, c'est-à-dire qu'impacter davantage les processus électoraux dans notre pays, nous avons pu apporter quelques modestes, soit-elles, une contribution au déroulement des processus électoraux jusque-là. Et nous avons l'ambition donc de faire en sorte que pour les années à venir, nous soyons également visibles dans les pays de la sous-région où nous sommes censés avoir des sections nationales de Africa Elections. Déjà que nous respections nos propres tests et qu'aucun président ne fasse 9 ans, ce n'est pas une bonne chose, c'est pas signe de bonne gouvernance, je l'avoue. Donc du coup, que les organes statutaires fonctionnent, que tous les membres s'intéressent réellement à la réflexion générale, au fonctionnement, et non à n'attendre pas la fin des mandats ou bien lors des élections pour que les gens contribuent financièrement, donc à travers leur cotisation au fonctionnement, et que chacun essaye de donner le meilleur de lui-même ou de soi-même pour pouvoir atteindre les objectifs de l'association. Nous n'avons pas pu atteindre tous les objectifs qui ont été fixés au mandat qui est en train de finir, et tirant leçon donc de la manière dont les choses se sont passées et avec les ambitions que nous avons désormais. Le niveau, nous voulons amener cette association, nous allons prendre des dispositions tout à l'heure pour que le prochain mandat qui va démarrer à partir de ce jour fasse mieux que le mandat sortant. Et puis en page politique dans cette édition, les populations de l'arrondissement de Godomé, c'est dans Abomey-Calavi, membre de l'association des jeunes pour le développement durable Mihalodo du Bénin, se repose dorénavant sous l'ombre du baobab ensoleillé. Et après un séjour dans le parti bloc républicain, le président de cette association, Martin Videgla, et ses militants rejoignent l'Union progressiste, le renouveau. C'est à la faveur d'une cérémonie d'adhésion officielle tenue sur le terrain de Kokokodji. Moucharafa Soumanou, Prudence Koussouran. L'Union progressiste Le Renouveau s'agrandit davantage. À quelques semaines des élections législatives, le parti issu de la fusion UPPRD enregistre l'adhésion des membres de l'association des jeunes pour le développement durable Mihaldo du Bénin. C'est le terrain de sport du quartier Kokokodji qui a servi de cadre à cet événement marqué par la présence de plusieurs autorités du parti. Après observation, réflexion, analyse et concertation
entre toutes les structures de l'AJDDMB, nous, membres militants et responsables à divers niveaux réunis au sein de l'AJDDMB, déclarons officiellement adhésion à l'Union progressiste le renouveau. Zachary Syriac, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'avril 2016 et nouveau adhérent au sein du parti représenté par un baobab ensoleillé survolé d'un arc-en-ciel, parle de la motivation de ce choix politique qui s'inscrit dans l'objectif d'accompagner les actions du chef de l'État Patrice Talon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voudrons, par cet acte, exprimer tout ce que nous venons de relater supra, mais aussi et surtout, remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont cru devoir, dans un sursaut patriotique et civique, contribuer à la réussite des actions de la gouvernance de son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Talon. Présent à la cérémonie, le maire d'Abomey-Calavi, partisan Union progressiste Le Renouveau, souhaite la bienvenue à l'AJDDMB et à tous ses membres. L'Union progressiste Le Renouveau est un grand parti dans lequel il y a de la place pour tout le monde. Je vous souhaite les bienvenus dans la grande famille de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous venez de choisir la route du développement. Donc, vous ne vous êtes pas trompé de chemin. À sa suite, le député de la 6e circonscription électorale, Epiphane Honfort, salue l'esprit et l'action de l'AJDDMB et surtout de son président, Étienne Vidigla. Je vous rassure qu'à l'Union progressiste, n'achetons pas les militants. Les militants viennent d'eux-mêmes. Les militants viennent parce qu'ils sont convaincus, ils sont engagés. Et je pense que ce que nous faisons ce soir-là, c'est de la volonté des uns et des autres, et surtout des membres de votre association. Pour le compte de ces élections législatives du 8 janvier prochain, il est à noter que les listes électorales sont déjà affichées depuis peu et les électeurs que sont les citoyens peuvent aller les vérifier dans les différents centres de vote. Et puis la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, porteur du projet Benkadi, Bénin a organisé un atelier d'échange axé sur la gouvernance participative et les approches basées sur les écosystèmes. Il a été officiellement lancé ce jour dans la commune de Grand Popo. Cet atelier de renforcement de capacités permettra aux différents participants d'être mieux outillés dans le processus d'élaboration des documents de planification. Nous vous invitons à suivre un extrait des interventions des organisateurs. C'est le moment pour nous, acteurs techniques invités, d'avoir une fois encore des rudiments dans le cadre de l'identification, l'élaboration, la mise en œuvre et surtout des stratégies efficaces contre les changements climatiques lors de l'élaboration, bien sûr, de ces différents documents auxquels nous sommes astreints. Qu'ils comprennent l'importance de la gouvernance participative dans la gestion des écosystèmes, mais également dans la gestion du processus de planification des politiques, stratégies, projets et programmes de développement. Et qu'au-delà d'une simple compréhension, qu'ils s'approprient cette gouvernance donc a impliqué toutes les couches de la population dans l'élaboration des politiques, des stratégies, des projets et programmes de développement. Le premier volet porte sur la thématique de la gouvernance participative. Le deuxième élément clé de ce module de formation, c'est toutes les questions liées à l'adaptation basée sur les écosystèmes comme approche de mise en œuvre des actions du Benkadi dans le domaine de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Et là, il y a également un certain nombre d'outils. Ce n'est pas simplement de la théorie. La troisième dimension, c'est toute l'approche de gestion orientée vers les résultats. Les résultats étant perçus ici comme des changements vraiment visibles. Le projet Benkadi veut changer les comportements des personnes vulnérables, des organisations de la société civile et des structures étatiques qui ont pour mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre, de valoriser. Voilà le compte rendu de cet atelier de renforcement à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis hors de nos territoires présents, Adiagba Sebabe Chaboudé, chargé d'affaires de l'ambassade du Togo en Chine, a effectué récemment une visite à Hengjiang. Il a pu observer le développement économique de la région et les résultats
obtenus en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. On va suivre l'entretien qu'il a accordé. Vous êtes rendu au Xinjiang il y a juste quelques semaines, c'est au mois d'août, n'est-ce pas? Quelles sont vos impressions sur cette région? Bon, je voudrais tout d'abord remercier le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation de la coopération islamique qui ont permis ce voyage. Et durant ce voyage, qui nous a conduit à Kashgar, à Aksu et à Urumqi, nous avons pu voir un peuple travailleur et voué pour le développement de leur région. Nous avons aussi observé que les peuples vivaient dans la cohabitation, les différents groupes ethniques vivaient dans la paix et la sécurité. Et pour aussi donner mon appréciation sur leur cohabitation et la liberté de religion, nous avons même assisté à des prières avec des groupes musulmans. C'est dire que ce voyage a été très très important pour nous. Nous avons pu découvrir un peuple très travailleur. Lors de votre voyage, vous avez visité des mosquées, l'Institut islamique du Xinjiang, des résidences, des lieux historiques, mais vous êtes également allé à la rencontre de familles ouïghours. Pensez-vous que les croyances et coutumes de la population locale sont pleinement respectées? Oui, merci madame. Comme vous venez de le souligner, nous avons visité les familles, nous sommes allés à l'Institut des croyances, nous sommes allés dans les mosquées. Nous avons vu un peuple très uni et soudé, un peuple travailleur, et nous n'avions pas constaté des divergences ou bien des conflits qui pourraient supposer que les peuples du Xinjiang ne cohabitent pas. Nous avons rencontré des familles où plusieurs groupes ethniques vivaient ensemble. Cela nous a permis de dire que c'est un peuple travailleur, un peuple qui vit dans la paix et dans la sécurité. Et donc, quelles sont vos impressions sur le développement de l'économie de la région autonome du Ouïghour du Xinjiang? Donc, quelles sont vos impressions sur le travail de la réduction de la pauvreté du gouvernement chinois? S'agissant de la réduction de la pauvreté des populations de cette région, nous avons visité des fermes agricoles, nous avons visité des usines de transformation du coton. Nous avons compris que c'est un peuple qui œuvre pour le développement de la région. C'est un peuple qui se bat pour vivre dans l'harmonie et éloigner le spectre de la pauvreté. Et c'est sur cet entretien que nous refermons cette édition derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité toujours renouvelée au service de l'information de ETL. Vous pouvez suivre à nouveau cette édition sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etl.com, notre page Facebook ETL en direct, notre compte Twitter ETL Live, notre chaîne YouTube ETL Bénin et puis en direct via notre application iOS et Android ETL Bénin tout simplement. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.